Des éleveurs et agriculteurs normands autour de l'herbe, la prairie et les fourrages en général. Concentrés d'innovation ou bien dernier acquis scientifique, ateliers techniques, conférences, débats, vitrines, expositions de matériel, cette manifestation qui se déroule sur une journée a toujours un menu très copieux. Bien, c'est d'abord pour s'informer autour des dernières nouveautés technologiques, sur les prairies, les fourrages. C'est aussi échanger, profiter de témoignages, soit de pairs, soit de scientifiques ou de techniciens que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Et en cela, c'est des solutions éprouvées, des expériences que vous pouvez ensuite mettre en œuvre directement sur votre exploitation. Avec 27 ans d'existence, les éditions des Prairiales de Normandie ont acquis une notoriété certaine auprès des éleveurs de Normandie et plus globalement des éleveurs du Grand Ouest. Elles alternent sur une plage de temps de 4 ans avec des éditions majeures tous les 2 ans, centrées sur l'INRA du Pin ou sur la ferme de la Blanche Maison et sur lesquelles sont accueillis à peu près 1500 visiteurs, et entre des éditions intermédiaires avec moins de visiteurs mais qui permettent d'avoir une couverture territorialisée de l'ensemble des départements de la Normandie. Cette année, par exemple, en revenant sur la Blanche Maison, ça sera la 6e édition des Prairiales de Normandie dans la Manche. Les Prairiales de Normandie cette année en deux mots? Voyons qui est actif.